Fiction GTA 5 pour un nouvel easter egg. Grâce à la précédente vidéo concernant le fantôme du Mont Gordeau, j'ai eu mon premier like, ce qui m'a motivé à faire cette nouvelle vidéo concernant un autre easter egg, c'est l'OVNI dans l'océan. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été chercher le sous-marin Kraken avec le Bobcat, tout simplement parce que ouais, c'est le sous-marin qu'on débloque dans le jeu en faisant je ne sais plus trop quoi. Je pense que c'est en récoltant tous les déchets dans l'océan. Mais il n'est pas plus rapide que le sous-marin de base. Que c'est avec d'ailleurs ce sous-marin là que j'ai découvert ce petit easter egg. Donc vous voyez, en le découvrant, j'ai mis un point juste ici, lieu important, et c'est là qu'on se rend. Il est vraiment lent ce sous-marin, enfin, légèrement plus rapide, mais très lent quand même. Et j'avais la flemme de faire le long coup avec. Donc voilà, j'arrive au-dessus de l'océan, on lâche le sous-marin. Ah, mais là. Voilà, je me lâche dans l'eau. Direction le sous-marin. Ce qui est quand même bien avec ce sous-marin là. Et reviens ici toi. C'est son design. Je trouve que malgré qu'il est lent, il claque. Come on! Ah voilà, il a démarré. Je ne connais plus la touche, ça commence déjà bien. Ah voilà. Ah non, apparemment carré c'est pour remonter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de descendre. Donc c'est un ovni qui est venu s'échouer au fond de la mer. Je me demande bien quand même ce que les aliens sont venus foutre aussi près de l'océan pour venir s'échouer dans la mer. Quoique, il y a une théorie là-dessus. Apparemment, d'autres ovnis apparaissent dans le jeu. Un au-dessus du camp des adorateurs d'aliens, là, près de Sandy Shores. Et une autre... comme quoi, il y aurait, en ayant fini le jeu à 100%, un ovni au-dessus de la base militaire. Et bah, personnellement, je ne l'ai pas découvert. Mais ceux qui l'ont découvert, allez voilà, ceux qui l'ont découvert auraient vu l'inscription FBI dessus. FBI ou FIB dans GTA, on s'en moque. Donc une petite théorie voudrait que ce soit un prototype de d'engin pour le FBI. Et bah en prototype il se serait venu écraser dans l'océan. Voilà, donc on va l'analyser sous toutes les formes. Je vous remets la carte pour que vous visualisiez bien où il est. Voilà. Je me demande quand même s'il n'y aurait pas une inscription par hasard FIB sur celui-ci. Après tout, on ne sait jamais. Voyons voir. Peut-être par ici. Non. Aucune inscription. Mais quand même bien fait. Peut-être en dessous. Allons voir ça. Ça m'énerve, je n'ai pas joué à GTA depuis des lustres. Je me trompe de touche. Bam. Dernière fois, c'était la semaine passée pour le fantôme du Mont Gordeau, mais bon. Tiens.
intéressant ça. Et non. On dirait qu'il n'y a aucune inscription dessus. Comment on fait la vue première personne entre eux? Pas comme ça. Aucune inscription. Oh, c'est ballot, je suis coincé. C'est pas grave. C'était juste pour l'easter egg. Donc voilà, c'était ce fameux ovni qu'on trouve au fond de l'océan, avec petite théorie à la clé, comme quoi ce serait un prototype du FBI. Bête, pourquoi j'ai essayé avec le sous-marin alors qu'il y a une tenue plongée à l'intérieur? Certaines personnes disent en même temps que pour l'OVNI qui se trouve au-dessus de la base militaire, que en s'en approchant, ils entendent des murmures, je pense, qui proviendraient de l'intérieur. Bah, si une fois je le trouve, je vais encore faire mes recherches. Et si une fois je le trouve, eh ben, j'en ferai une petite vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à liker, ça fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis tchuss!